Monsieur Sigura, est-ce que vous pensez que les problèmes de sécurité dans Mitris viennent en partie de la gestion de l'ancienne municipalité de Gérard Gaudron? Non, ça, on ne va pas rentrer dans une polémique de ce genre. Je préfère, moi, les vraies questions. Et les vraies questions, c'est que tout simplement, il nous manque 20 policiers à Aulnay qui ont été retirés au fil du temps. Il manque 14 000 policiers qui ont été supprimés au fil des deux dernières années dans les lois de finances. Deuxièmement, je pense que sur les méthodes d'investigation de la police, il faut renforcer les capacités d'investigation judiciaire qui sont pour l'instant beaucoup trop faibles. J'espère que le prochain ministre de l'Intérieur va faire le nécessaire. Parce que les opérations coup de poing, c'est bien, mais le travail judiciaire sur le temps est nécessaire pour que les juges puissent avoir des dossiers suffisamment solides pour pouvoir opérer au retrait de liberté de tous les dealers. Mais depuis le petit dealer qui surveille jusqu'au gros bonnet pour lesquels, avant de les atteindre, ça s'est fait en quelques occasions, donc pourquoi ne pas le systématiser, hein, ont été arrêtés grâce à des enquêtes judiciaires solides. Voilà. Or, aujourd'hui, on a les forces de police d'Aulnay qui sont massivement installées en intervention directe.